Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le thème de l'exhortation aujourd'hui est quelle attitude dans les épreuves? Amen. Quelle attitude tu dois adopter dans les épreuves? Lorsque tu traverses des épreuves, peut-être que présentement tu es éprouvé dans ton travail, dans ton foyer, dans ta famille, dans ta ville. Dieu seul le sait. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur veut te parler. Amen. Amen. Sois fortifié. Ce n'est pas facile d'être éprouvé. Ce n'est pas facile de traverser des moments difficiles. C'est dur. Mais ce que je sais, c'est que Dieu est toujours là pour nous soutenir. Lorsque nous fixons les yeux sur Dieu, il nous aide. Il vient à notre secours. Parce que le souhait de Dieu n'est pas de nous faire du mal. Le souhait de Dieu est de nous faire du bien. Amen. Souvent, il permet que nous passions dans des épreuves pour nous former, pour forger notre caractère, pour nous apprendre beaucoup de choses. Amen. C'est pour cela que tu dois dire dans ce moment d'épreuve, Seigneur, fortifie-moi. Fortifie mon cœur, fortifie ma foi. Car tu sais que je t'aime. Car tu sais que mon désir le plus ardent, c'est de marcher dans tes voies. Aide-moi à traverser cette épreuve. Amen. Je vais me référer à l'histoire de Job. Vous connaissez l'histoire de Job dans la Bible. Vous savez combien il a été éprouvé. Amen. Job était un homme intègre. Il était droit. Il craignait Dieu et il se détournait du mal. En un jour, il a perdu tous ses enfants, ses serviteurs et même son bétail. Une épreuve difficile. Imaginez-vous, en un jour, vous perdez tous vos enfants, votre travail, tous vos biens. C'est impensable, mais Job a vécu cela. Pourtant, il ne vivait pas dans le péché. Amen. Il craignait Dieu. Nous lisons cela dans Job 1, verset 1. Il craignait Dieu. Il se détournait du mal, mais il a été éprouvé. Amen. La Bible dit qu'il a déchiré son manteau. Il s'est jeté à terre. Il s'est prosterné. Amen. C'était difficile. C'était difficile pour Job. Amen. Comment tu vas perdre tes enfants? Tu as vu naître, tu as vu grandir. Amen. En un jour, ils n'y sont plus. Dans ce malheur, Job va adopter une attitude empreinte de sagesse. Et c'est l'objet de l'exhortation aujourd'hui. Je te demande de prendre ton cahier et ton carnet de notes et de noter. Amen. Parce que quand Dieu nous parle, nous devons retenir. Amen. Nous devons retenir. Ne dis pas j'ai un cerveau qui enregistre tout, je vais me rappeler. Tu vas oublier. Ne sois pas un auditeur oublieux. Parce que je te dis, lorsque tu sors de là, tu peux oublier. Tu peux oublier, mais si tu l'as noté dans un cahier, tu peux revenir sur ce cahier et relire la parole de Dieu. Relire le point que tu as noté et cela va te faire du bien. Tu peux même passer cela à quelqu'un. Oui, la fois passée, j'ai écouté une exhortation. Je sais qu'elle va te faire aussi du bien. Amen. Donc, je disais, nous allons parler de l'attitude de Job dans son épreuve. Amen. Et cette attitude, nous pouvons aussi l'adopter. Quand nous marchons dans la vallée. Amen. Lorsque tout est difficile. Lorsque les portes se ferment. Lorsque nous traversons la maladie, le chômage, les difficultés financières, l'abandon des autres, le rejet des autres, l'incompréhension, le trouble, même dans l'église. Amen, nous devons avoir une bonne attitude. Nous ne devons pas abandonner Dieu, s'éloigner de Dieu sous prétexte que Dieu n'existe pas, que Dieu veut votre malheur. Dieu ne veut jamais le malheur de ses fils et des filles. Amen. La Bible dit même qu'une châtie, c'est pour notre bien. Amen. Donc, regarde Dieu toujours comme un Dieu d'amour qui veut ton bien. Amen. Le premier point que je vais voir avec vous, c'est Job. Dans cette épreuve, la Bible dit qu'il a rendu grâce, gloire à Dieu. Amen. C'est dans Job 1, verset 21. Il est écrit que Job a dit, l'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Est-ce que tu as déjà dit que le nom de l'Éternel soit béni pour ce que je traverse? Réfléchis. Job, dans cette épreuve difficile, la Bible dit qu'il a dit que le nom de l'Éternel soit béni. Mon frère et ma sœur,
Tu dois bénir l'Éternel pour ce que tu traverses, pour ce que tu vis. C'est incompréhensible, c'est difficile. Tu touches même le fond, mais le Seigneur a les yeux sur toi. Agis comme Job et déclare que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Tu ne dois pas t'éloigner de Dieu, mais tu dois continuer à prier Dieu. Tu dois reconnaître qu'il contrôle ta vie, que ce qui se passe, ce qui s'est passé, il voit. Il est au courant de cela parce que notre Dieu ne dort pas. Notre Dieu ne sommeille point. Amen. Tu dois garder les yeux fixés sur Dieu. Amen. Tu dois lui montrer que dans cette situation que tu traverses, tu crois davantage en lui, en son amour. Amen. Tu dois lui montrer que ce n'est pas la faim, ce n'est pas le chômage, ce n'est pas l'échec, ce n'est pas le décès, ce n'est pas la maladie qui va t'éloigner de lui. Amen. Tu dois lui montrer que même dans les moments difficiles, tu gardes espoir en lui. Amen. Tu dois lui montrer qu'il est toujours ton Dieu. Amen. Certainement, cette épreuve est pour quelques jours. Aie une bonne attitude. Amen. Ne déçois pas Dieu. Continue de le reconnaître comme ton Dieu. Tu as dit avant que Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu de bonté. Continue de le proclamer haut et fort. Amen. Amen. Dieu t'aime, mon frère. Continue d'aimer Dieu dans cette épreuve que tu traverses. Et proclame chaque jour, déclare chaque jour que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. La deuxième attitude de Job que je veux voir avec vous, il est écrit que Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Ça, c'est le deuxième point. Amen. Job 2, verset 10. Il ne pécha point par ses lèvres. Amen. Il demeura ferme dans son intégrité. Face à cette épreuve, tu peux avoir une mauvaise attitude. Exemple, tu n'as plus rien à manger, tu vas voler. Amen. C'est difficile, je sais. Moi aussi, je suis passée par là. Je vous assure que c'est difficile. C'est difficile d'être éprouvé. On n'est jamais dans la joie lorsqu'on est éprouvé parce que c'est difficile. Même les autres ne comprennent pas. Même quand les autres vous voient souffrir, ils ne vous aident pas. Il n'y a que Dieu qui vient à votre secours. Amen. Amen. Mais je sais que Dieu, il permet ça. C'est pour nous forger. C'est pour nous former. Amen. Je vais lire un passage dans le livre de Deutéronome que Dieu me met à l'esprit. Deutéronome, je vais trouver, je vais vous dire la référence. Deutéronome, le chapitre 8, au verset 2. C'est Dieu qui parle à son peuple, sorti d'Égypte. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de te prouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur, et si tu garderais ou non ses commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne, que tu ne connaissais pas et que n'avais pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Amen. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé. Pendant ces 40 années, reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Amen. Dieu m'a rappelé ce passage dans la Bible pour dire que Dieu nous éprouve, pour savoir quelles sont les dispositions de notre cœur, pour savoir si nous allons garder ses commandements ou non. Amen. Dieu ne te prouve pas par plaisir. Non, mais Dieu a un but. Amen. Il est dit ici dans le verset 2, « Je t'ai fait faire ces 40 années dans le désert afin de t'humilier. » Amen. Donc, dans l'épreuve, nous sommes humiliés, n'est-ce pas? Nous sommes humiliés. Amen. Le Seigneur dit, il veut savoir quelles sont les dispositions de ton cœur. Pendant des mois, des années, depuis ta conversion, tu as toujours déclaré haut et fort que Dieu est tout pour toi. Dieu est ta joie, Dieu est ta victoire. Aujourd'hui, tu fais passer par une épreuve pour savoir si tu vas continuer à déclarer haut et fort que Dieu est tout pour toi, que Dieu est ta vie. Amen. Et dans cette épreuve, qu'est-ce que tu fais? Tu dis Dieu, donc tu n'as jamais existé. Donc, ce que j'ai vu avant, c'était que pure illusion.
Non, mon frère, ma soeur, Dieu est toujours l'auteur de ta joie. Dieu est toujours tout pour toi. Amen. Mais c'est un test. Exemple à l'école. Pour passer en classe supérieure, il y a un examen. Amen. Tu ne peux pas échapper à cela. Et comme vous le savez, si les résultats ne sont pas fameux, tu reprends ton année. Veux-tu redoubler ta classe pendant que Dieu veut te faire passer en année supérieure? Amen. Supporte l'épreuve. C'est difficile, mais supporte ce que tu es en train de passer. Parce que toute épreuve est fixe à un temps de fin. Amen. À un temps de fin. Pour le peuple, le passage que je viens de lire dans Deutéronome, il est dit, c'est pendant 40 années. Amen. Pendant 40 années, ils ont été éprouvés. Amen. Et toi, peut-être que c'est un an, peut-être que c'est 6 mois, peut-être que c'est 3 mois. Amen. Ce n'est pas à cause de cette épreuve qui a une durée limitée que tu vas dire régner Dieu. Toi, avant, on te connaissait comme l'enfant de Dieu, celui qui prêche l'évangile, qui prêche l'amour de Dieu, celui qui fait du bien aux autres. Parce qu'aujourd'hui, tu as perdu ton travail. Parce qu'aujourd'hui, on t'a mis dehors. Tu oublies la parole de Dieu. Tu aurais dit aux mêmes personnes à qui tu as communiqué l'évangile que Dieu n'a jamais existé. Non. Amen. Amen. Tu ne dois point pécher comme Job. Tu ne dois pas dire que Dieu est un Dieu injuste. Amen. Ne sombre pas dans le péché, dans l'alcool, dans la débauche. Non. Garde-toi pur. Amen. Garde-toi pur. Continue de prier ton Dieu. Continue d'écouter ton Dieu. Amen. Ne pèche point. Ne juge point Dieu. Ne te mets pas en colère contre Dieu. Amen. Continue de marcher dans ses voies. Amen. Amen. La troisième attitude que je vais voir avec vous. La Bible dit que Job a plaidé sa cause devant Dieu. Frère, sœur, toi qui es éprouvé, je te demande de continuer à prier ton Dieu pour ce que tu traverses. Amen. Pendant que ses amis l'accusaient d'avoir péché, Job s'approchait de Dieu. Il priait Dieu. Il s'adressait à Dieu. Il invoquait Dieu. Vous pouvez voir cela dans Job 13, verset 3. Job 13, du verset 21 au verset 28. Il continuait à prier. Continuait à prier. Avant que tu ne sois éprouvé, tu priais le matin, le midi, le soir. Depuis que tu es éprouvé, tu pries à peine une fois dans la journée et encore quelques secondes, parce que tu passes tout ton temps à murmurer, à pleurer, à... Non, c'est pas ce que Dieu veut de toi. Dieu veut que tu aies une bonne attitude, parce qu'un test, c'est pour un temps. Amen. Un test, c'est pour un temps. Amen. Continue de prier. Il faut que tu pries, tu pries, tu pries Dieu. Amen. C'est un moment où tu dois passer plus de temps dans la prière. Amen. Tu dois t'approcher de Dieu nuit et jour. Amen. Tu dois chercher à être toujours dans la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, tu ne manges plus le matin, tu manges une fois dans la journée, que tu vas dire Dieu n'existe plus. Non. Pendant qu'avant, Dieu te nourrissait, tu mangeais 3 à 5 fois dans la journée. Aujourd'hui, parce que tu manges une seule fois dans la journée, Dieu n'existe plus. Tu fais la joie de qui? Du diable. Amen. Amen. Dieu existe toujours. Amen. Nous allons voir une autre attitude de Job. La Bible dit qu'il manifesta sa confiance en Dieu. Amen. Il souffrait, mais ses amis l'accusaient de pécheur, le responsable de son malheur. La Bible dit que Job a déclaré, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera afin que ma peau, il se lèvera après que ma peau aura été détruite. Moi-même, je contemplerai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Amen. C'est dans Job 19, du verset 25 au verset 27. Amen. Qu'est-ce que Job a dit? Je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen. Tu dois manifester ta confiance. Amen. Lorsque le doute arrive, tu dois dire, arrière de moi, doute. Parce que Dieu a tellement fait pour moi auparavant que je sais qu'il est en train encore d'agir pour moi dans le silence. C'est vrai, c'est difficile, mais je ne vais pas m'éloigner de Dieu à cause de cette épreuve. Amen. Je ne vais pas m'éloigner de Dieu parce que je n'ai plus rien à manger, parce que mon conjoint est parti, parce que j'ai perdu mon emploi, parce que je suis rejeté, parce que c'est difficile pour moi. Non. Tu dois déclarer haut et fort, comme Job, je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen. Je sais que mon Rédempteur
est vivant. Il agira pour moi. Amen. Dieu sait ce que tu traverses. Même si ton père, ta mère, ton pasteur, ton conjoint, tes enfants, tes amis ne comprennent pas ce que tu traverses, s'éloignent de toi. Sache que Dieu ne s'éloigne pas de toi. Amen. Dieu a les yeux fixés sur toi. Amen. Vous pensez que Dieu ne voyait pas la souffrance de Job? Si, Dieu voyait la souffrance de Job. Il savait ce que Job traversait. Amen. Donc Dieu sait ce que tu es en train de traverser. Dieu sait que les portes sont fermées aujourd'hui dans ta vie. Il sait que tu es seul. Il sait que tu as faim. Il sait que tu n'as rien à manger. Il sait que tu n'as même pas un centime pour acheter quelque chose. Il le sait. Mais moi, ce que je veux te dire, c'est pour un temps. Le temps appartient à Dieu. Le temps n'appartient pas au diable. Le temps appartient à Dieu. Amen. Tu vas sortir de cette épreuve vainqueur. C'est mon souhait pour toi. Que tu sortes vainqueur et non vaincu. Afin qu'il y ait la joie dans le ciel. Afin que Dieu, là-haut dans les cieux, puisse dire, voici mon serviteur. Voici ma servante. Voici mon fils. Voici ma fille. Amen. Amen. Tu ne mourras pas dans cette épreuve. Parce que Dieu veut que tu sois sauvé. Amen. Tu ne mourras pas. C'est vrai, le diable a frappé les enfants. Tout ce que Job possédait, mais il n'a pas touché, il n'a pas enlevé sa vie. Amen. Donc Dieu ne permettra pas que le diable enlève ta vie, car Dieu tient ta vie entre ses mains. Amen. Et c'est pour cela que je te dis, dans cette épreuve que tu traverses, lève-toi et aie une attitude positive, aie une bonne attitude, car cette épreuve va bientôt prendre fin. Amen. Et plus tard, tu diras, voici le chemin par lesquels Dieu m'a fait passer. Et voici les bénédictions que Dieu m'a accordées à la sortie de cette épreuve. Voilà comment je me suis comportée. Ne passe plus ton temps à pleurer, à pleurer, à pleurer. Mais lève-toi et déclare comme Job. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Dieu est toujours vivant. Que tu aies à manger ou pas, Dieu est toujours vivant. Amen. Mais je sais une chose, il pourvoit à tous nos besoins. Dans ce dont tu as besoin, il pourvoira. Mets seulement ta confiance en lui. Continue de le prier. Continue de le glorifier. Continue de faire sa volonté. Continue de lire sa parole. Je vous assure, dans les épreuves, si ton cœur est disposé, tu vas avoir une vie de prière plus haute qu'auparavant. Amen. Parce qu'avant, tu priais peut-être 30 minutes dans la journée, mais parce que tu es éprouvé, tu vas passer au moins 2 heures dans la prière. Amen. Dieu n'envoie pas l'épreuve pour t'éteindre, mais il t'envoie une épreuve pour que tu avances avec lui, pour que tu passes d'un stade A à un stade B. Amen. Regarde ce que Dieu attend de toi. Regarde ce que Dieu veut faire de toi. Au travers de cette épreuve, Dieu veut te former. Il veut forger ton caractère. Il veut t'élever. Oui, il veut t'élever. Parce que lorsqu'on sort d'une épreuve, on est béni. Lorsqu'on sort d'une épreuve, on est béni. Lorsqu'on sort d'une épreuve, on est béni. Lorsque le peuple a traversé le désert, ils sont entrés à Canaan. Ceux qui avaient le cœur disposé, ceux qui avaient un cœur pur sont rentrés à Canaan. Ma prière pour toi, frère et sœur, c'est que sortant de ton désert, tu entres dans Canaan, tu entres dans ta bénédiction, dans ce que Dieu t'a promis. C'est un mariage, c'est un travail, c'est un voyage, c'est une promotion. Ma prière pour toi, c'est que tu entres dans ta bénédiction. Ma prière, c'est que tu entres dans ta bénédiction. Ne tourne pas en rond dans ton désert. Je ne veux pas que tu meures dans ton désert. Je veux que tu vives. C'est pourquoi j'ai dit, aie un cœur disposé, aie une bonne attitude dans ton épreuve. Marche avec ton Seigneur. Ne le renie point. Continue de le prier. Continue de le prier, continue de le prier, continue d'aller à l'église, continue de méditer la parole de Dieu le jour et la nuit. Amen. Dieu est puissant, Dieu est grand. Tu penses qu'il t'a oublié? Il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Il va te donner un travail. Il va te donner un travail. Et pas un petit travail, mais un grand travail. Tu vas crier haut et fort. Quoi? Je ne pouvais m'imaginer. Mais oui, Dieu nous surprend toujours. La Bible dit, lorsqu'on tourne les regards vers lui, le visage ne se couvre pas de honte, mais on est rayonnant de joie. La joie de Dieu est ton partage, et la joie de Dieu sera ton partage. Dans cette épreuve, ne regarde pas ce que tu es en train de perdre. Ne regarde pas ton estomac. Ne regarde pas tes habits pour dire, depuis là, je n'ai pas encore acheté une nouvelle chaussure. Depuis là, j'ai le même sac. Je ne peux même pas faire ça. Je ne peux pas faire ça parce que je ne travaille pas, parce que je n'ai pas d'argent. Ne regarde pas à cela. Ce sont les choses éphémères. La Bible dit,
Recherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Recherche ton Dieu. Investis-toi dans le royaume de Dieu. Fais sa volonté. Continue de servir ton Dieu, de le prier, de jeûner. Dieu te fera grâce. Amen. Dieu te fera grâce. Notre Dieu est un Dieu de bénédiction et non un Dieu de malédiction. Amen. Dieu veut ton bien. Dieu veut ton bien. Aie une bonne attitude. Je vais rappeler l'attitude que Job a eue dans son épreuve. La Bible dit que Job a rendu gloire à Dieu. Ma prière pour toi, c'est que tu rends gloire à Dieu dans cette épreuve. Que tu déclares comme Job, que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Si tu peux, tu peux. Vas-y, déclare que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. La deuxième attitude de Job, la Bible dit que Job n'a pas péché. Il n'attribua rien d'injuste à Dieu. Si tu es entré dans un péché parce que tu n'avais plus rien à manger, parce que tu dormais dans les rues, parce qu'on t'a rejeté, sors de ce péché maintenant. Amen. Parce que Dieu ne t'a pas appelé à vivre dans le péché. Dieu ne t'a pas appelé à l'impureté. Dieu ne t'a pas appelé à la débauche. Amen. Dieu veut ton bien. Dieu veut ton bien. C'est le diable qui veut ton malheur. Amen. C'est le diable qui veut ton malheur. Amen. Lève-toi, mon frère. Sors du péché. Sois dans une bonne position parce que Dieu va te bénir. Amen. La troisième attitude de Job, la Bible dit qu'il a plaidé sa cause devant Dieu. Continue de prier. Continue de prier Dieu. Continue d'aller à l'église. Continue de méditer la parole de Dieu le jour et la nuit. Continue de chercher la face de Dieu. Continue de servir Dieu. Continue d'évangéliser, de prêcher la parole de Dieu. Continue de faire la volonté de Dieu. Amen. Tu es encore enfant de Dieu. Ne dis pas, je ne suis plus croyant, je suis païen, je suis devenu athée parce que Dieu m'a abandonné. Et non, le monde même où nous vivons, Dieu n'a pas abandonné le monde. Amen. Dieu est avec nous. Amen. Il est avec nous. Il nous soutient chaque jour. Il nous soutient. Il combat pour nous dans le secret. Amen. L'autre attitude que Job a eue, la Bible dit qu'il a plaidé sa cause devant Dieu. Amen. Plaide ta cause devant Dieu. Amen. Je reviens sur cette attitude. Amen. C'est Dieu qui veut. Amen. Donc j'insiste, plaide ta cause à Dieu. L'autre attitude que Job a eue, la Bible dit qu'il a manifesté sa confiance en Dieu. Tu ne dois plus douter. Pourquoi tu doutes? Pourquoi tu dis, Dieu ne s'intéresse pas à moi. Dieu m'a oublié. Dieu aussi m'a rejeté. Non. Manifeste ta confiance en Dieu. La Bible dit que Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Face à ton épreuve, face à la maladie, face à l'échec, dis, je sais que mon Rédempteur est vivant. Amen. Amen. Dieu veut ton bien. Je veux que tu retiennes cela. C'est difficile, mais ça sera un souvenir parce que Dieu vient te relever. Amen. Dieu a vu ton cœur et il voit des choses bonnes. C'est ma prière pour toi, que lorsque Dieu te regarde, amen, il dit, mon fils, ma fille, dans cette épreuve, a su bien se comporter, a eu une bonne attitude, ne m'a pas déçu. Donc, je viens pour la bénir, pour le bénir, pour le relever. Amen. Amen. La Bible dit que Dieu a rétabli Job. Dieu a rétabli Job. Ma prière pour toi, c'est que Dieu te rétablisse. La Bible dit que Dieu lui a donné encore des enfants, des serviteurs. Amen. Dieu l'a béni. Dieu l'a rétabli. On va prendre ce passage. Amen. Job 42. Au verset 10, l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Amen. Quand Job eut prié pour ses amis et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Amen. La Bible dit que Dieu a rétabli Job. Dieu lui a donné le double de tout ce qu'il avait possédé. Il a même prié même pour ses amis qui l'ont critiqué dans cette souffrance, dans ce malheur. Amen. Amen. Je prie que cela soit ainsi pour toi. Que Dieu te rétablisse, que Dieu t'accorde le double de tout ce que tu avais possédé. Amen.
Tu avais perdu une maison, que Dieu te donne des maisons. Tu avais perdu des enfants, que Dieu te donne à nouveau des enfants. Amen. Ton conjoint était parti, qu'il revienne. Amen. Tu étais dans le chômage parce que tu avais perdu ton emploi, que Dieu te donne un nouveau emploi et cette fois-ci un bon poste avec un plus beau salaire. Amen. C'est ma prière pour toi, frère et sœur. Je veux que tu déclares comme Job, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est Job qui a fait cette déclaration. Dans Job 42, versets 2 à 5. Amen. Quand Job a vu la main de Dieu, la Bible dit qu'il a fait cette prière. Amen. Il a dit, je reconnais que tu peux et que rien ne s'oppose à tes pensées. Je reconnais que tu peux tout. Amen. 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 Dieu compte sur toi. Il ne veut pas que tu le déçoives. Il ne veut pas que tu le déçoives. Il te fait passer un test. C'est un test. C'est un test. Ce n'est pas toute ta vie. C'est un test. Supporte cette épreuve et avance avec ton Dieu. Supporte cette épreuve et avance avec ton Dieu. Avance dans ta destinée. Amen. Aie une bonne attitude. Aie une attitude positive. Amen. Parce que Dieu veut ton bien. Amen, amen. Sois béni dans le nom de notre Seigneur Jésus. Et n'oublie pas, Dieu t'aime, Dieu a les yeux sur toi et Dieu ne t'abandonnera jamais. Amen.